Bonjour à tous, merci d'être venus dans ce tuto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment, avec un foulard, un simple foulard, vous voyez, comment faire un masque de protection en ces périodes d'épidémie. Alors, il y a une technique de pliage qui vous permettra d'être protégé un maximum. C'est simple, vous prenez donc un simple foulard, et il suffit de le plier. Alors, vous prenez cette partie, ou celle-là, je sais. Bon, après, donc, vous le mettez par... Attendez, vous prenez votre foulard, vous l'allongez comme ça, et vous le pliez en deux. Merde. Bon, vous le pliez alors dans un sens, hein, et ensuite dans l'autre sens. Voilà. À moins que ce soit. Alors ensuite, donc quand il est plié, comme je vous l'ai bien expliqué, hein, si vous avez bien écouté et regardé, vous mettez donc la partie centrale au niveau de la partie bouchale, tétale. Voilà, comme ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est passer derrière, mais là, vous passez par dessus. Ensuite, vous retournez par dessous le menton. Et normalement, là, vous obtenez un masque de protection efficace. Vous êtes où? Ah, je me demandais où c'est que vous... Voilà. Bon, on a un peu l'air con, certes, mais on est protégé. Eh bien voilà, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine et je vous apprendrai à fabriquer une cornemuse avec 1 litre de lait et 100 grammes de cacao. À l'année prochaine!